Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dialogue sur la recherche. Et avec votre animateur, moi-même, Martin Jeanfort, je suis le directeur, bon, vous le savez déjà, du CEFIR, du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qui est situé au cégep Édouard Monti à Longueuil, Québec, Canada. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir un sociologue qui se spécialise dans les croyances. Et on s'est croisés de façon interposée dans diverses lectures avant de se connaître il y a 3-4 ans. J'ai vu récemment que Rémi Sauvary, qui est une de tes anciennes étudiantes, m'avait cité abondamment dans un article sur le New Age. J'étais très flatté parce qu'au même moment, moi, je lisais des textes, des livres de Gérald Bronner, donc qui est mon invité d'aujourd'hui, qui est professeur à l'Université Paris-Diderot. On ne va pas dérouler le CV au complet, membre de plusieurs académies. On sait qu'en France, les académies, c'est très important. L'Académie de médecine, je crois. C'est quoi l'autre académie, Gérald? L'Académie des technologies. L'Académie des technologies. Donc, disons-le au départ, là, pour ceux qui ne font pas la différence dans les différents sociologues, un sociologue, je dirais, plutôt empirique. Parce que en France, on a quelques différences. On a des sociologues plus politiques. Au Québec aussi, on a ça. On a des sociologues plus politiques, à gauche, à droite. Alors, moi, je ne sais pas, tu me corrigeras ma définition. Quand je vais parler d'un sociologue plutôt empirique, je vais parler d'un sociologue qui va essayer de se baser sur des données, sur des faits, plutôt qu'un programme politique. Ça, c'est sûr, Martha, tu as raison. Mais je dirais qu'il faut marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière, c'est à la fois de nourrir mes réflexions d'enquête de terrain. Je crois que j'ai pratiqué à peu près toutes les méthodes qui sont disponibles en sciences sociales, je veux dire l'observation participante dans une secte pendant un an, des méthodes quantitatives. J'ai dirigé ou participé à pas mal d'enquêtes effectivement statistiques. Mais j'ai mené aussi beaucoup d'entretiens, je crois, à la vertu des méthodes qualitatives. Ça dépend, en fait. C'est le terrain et les questions qu'on adresse au terrain qui nous imposent les méthodes, et non pas l'inverse. Mais en même temps, je suis un féru d'épistémologie, donc j'aime beaucoup aussi les concepts en sociologie. Je, d'ailleurs, dirige un groupe à l'AISLF, l'Association internationale des sociologues de langue française, autour de l'épistémologie, de la cognition. Et j'avais repris d'ailleurs le groupe qu'avait fondé Jean-Michel Berthelot, un des plus grands épistémologues de la discipline. Voilà, et je co-animais à l'Association française sociologie avec Pierre de Malenard un groupe sur les théories sociologiques. Donc c'est dire que j'ai une passion pour les deux, mais là où tu as tout à fait raison, c'est que je fais partie des sociologues qui essayent de se tenir assez loin, je dirais, des compulsions idéologiques et politiques que certains veulent mettre à l'agenda de notre discipline. Ben voilà, moi c'est un peu comme ça, j'ai pratiqué presque toutes ces méthodes-là aussi. D'ailleurs, salutations à Berthelot, l'intelligence du social, moi c'est un livre, à l'époque j'étais étudiant, qui m'avait marqué en épistémologie. On voit qu'on a un peu les mêmes racines. Tu parlais d'avoir étudié aussi les sectes, moi ça fait plus de 20 ans que j'étudie les sectes, donc on a évoluer peut-être un peu en parallèle. Sur un plan peut-être plus biographique, c'est peut-être pour ça que moi, je pense qu'on a des affinités. On vient tous les deux d'une famille qui n'était pas très bourgeoise, mettons, au départ. Donc, on pourrait dire à la Durkheim qu'on a connu une espèce d'ascension sociale. Donc, moi, je pense quand même que dans ce que tu fais et dans ce que je fais, ça teinte un petit peu les œuvres, peut-être. Enfin, je dirais peut-être ça teinte dans le sens d'une une espèce d'humilité face justement à vouloir découvrir les faits plutôt que d'avancer une espèce de programme politique. On en reparlera plus tard parce que tu as écrit des bouquins sur le danger sociologique justement que tu avais identifié. Mais le bouquin dans lequel je voudrais qu'on parle aujourd'hui, en fait, on était, il faut le dire, censé en mai recevoir au CEFIR à Longueuil, Gérald, pour une conférence, un colloque évidemment, à notre grand désarroi, on a dû tout annuler. Et on était censé parler de ce bouquin, « Déchéance de rationalité »,
qui est sorti déjà depuis un certain temps. Et donc aujourd'hui, on va se faire plaisir, hein, on va reprendre là où on était censé aller au mois de mai, et on va le faire. Gérald a fait beaucoup de bouquins dans sa longue carrière jusqu'à maintenant. Bon, les deux qui m'ont le plus marqué, moi, il le sait, c'est La pensée extrême, comment les hommes ordinaires deviennent des fanatiques, et La démocratie des crédules, je pense, qui aujourd'hui est très important pour comprendre les théories des complots, notamment. En 2017, Gérald, tu es venu donner une conférence, je ne sais pas si tu te souviens, à la bibliothèque du Cégep de Normandie sur les théories des complots. Et à la fin de la conférence, tu as dit la chose suivante. Nous sommes fragiles à la structuration du marché de l'information. Ce n'est pas pour rien que cette révolution sur ce marché de l'information, elle constitue en effet une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, que j'appelle la démocratie des crédules, parce que tout ça est profondément démocratique en même temps. C'est bien l'expression du plus grand nombre. Alors la démocratie des crédules, on n'y est pas encore, n'est-ce pas ? Il y a un bras de fer qui se noue entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt l'une qui l'emporte sur l'autre. Mais comme je suis optimiste, j'espère qu'on va trouver des solutions à cette situation vraiment difficile. Et je vous remercie. Donc, ce que tu as dit, en gros, en fait, quand on écoute dans cet extrait, quand on te demandait par rapport aux théories des complots à l'époque pour les combattre et tout ça, tu étais quand même assez optimiste. Tu disais qu'avec l'éducation, tu disais que en étant sensibilisé au biais cognitif, on pourrait mieux combattre les théories du complot. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es toujours aussi optimiste que tu l'étais à l'époque? Disons que mon optimisme, tu as raison, hein, d'abord c'est ma nature. Là c'est un biais, tu vois, vraiment, dont je fais la confession ici. C'est que je suis de nature optimiste et je pense qu'il y a toujours des solutions possibles à un problème. Bon, ça ne veut pas forcément dire être naïf, parce que comme tu vas peut-être le rappeler, à travers ce livre, je suis allé au contact quand même. Je suis allé sur le terrain une fois de plus, notamment de la radicalisation. Et il est évident que quand on travaille comme nous, Martin, avec l'objet de la croyance, et qu'on est confronté dans nos entretiens ou dans nos observations à des croyants, on voit bien qu'il est extrêmement difficile, d'ailleurs ce n'est pas tellement notre rôle de sociologue, mais en tout cas si on tente de le faire, y compris auprès de nos proches, de nos familles, on en rencontre tous des crédules autour de nous, des complotistes, il y en a un peu partout, c'est très très difficile de faire changer d'avis quelqu'un disons, qui a ces options intellectuelles-là. D'ailleurs, puisque tu as cité Romy Sauvert, non, je t'en prie, Romy Sauvert, qui a fait effectivement la thèse avec moi, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Croire en l'incroyable, elle rappelait que dans ses observations, entre les premiers doutes des gens qui rentrent dans des sectes, puisque son étude portait sur les gens qui sortaient des sectes, donc entre les premiers doutes et la sortie de la secte, il pouvait se passer entre 6 et 8 ans. C'est un temps très long. Ce qui veut dire qu'en même temps, il ne faut pas totalement désespérer. C'est-à-dire que notre pessimisme, il est aussi dû au fait que notre observation, généralement, elle est parcellaire et elle est à très court terme. C'est-à-dire qu'on est confronté dans une conversation sur un réseau social avec un complotiste ou un crédule et on n'arrive pas à le convaincre. Bon, il est évident que, d'une part, la plupart de nos argumentations, le fact-checking, ce genre de choses, ce n'est pas vraiment à destination des croyants. Il faut toujours bien se souvenir de ça, c'est plutôt à destination des indécis qui peuvent être témoins de ces échanges et à qui ça peut être utile d'avoir des contre-argumentaires. Parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance, disons, d'évocation des récits de la croyance et en particulier du complotisme. Il y a des vidéos, il y a des films qui tournent beaucoup en ce moment. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas la contre-argumentation, il faut reconnaître que c'est très convaincant. Il n'y a pas besoin d'être stupide pour cela. Il ne faut pas confondre crédulité et stupidité. Alors, concernant mon optimisme, il était sans doute excessif, d'ailleurs, l'optimisme est toujours excessif, mais en tout cas, ce que je crois, c'est que, sauf les cas qui relèvent de la psychiatrie, bien sûr, et il y en a, que ce soit dans la radicalisation, il y a des cas qui relèvent de la psychiatrie. Et alors là, en tant que sociologue, Martin, tu m'accorderas que ce n'est pas notre compétence. Donc, je parle des éléments qui relèvent de notre compétence. Et donc, on a affaire tout simplement à des individus qui ont un cerveau qui fonctionne normalement, puisqu'ils ne relèvent pas de la psychiatrie. Notre travail, c'est de reconstruire l'univers mental de ces individus pour les comprendre dans le sens weberien, dans le sens que donnait le sociologue allemand Max Weber à ce terme, c'est-à-dire la reconstruction de son univers mental.
Ce qui ne veut pas dire, donc encore une fois, donner raison de ces personnes, mais on cherche les raisons de ces personnes. Hein. Trouver les raisons de ces personnes, ce n'est pas forcément donner raison, j'insiste fortement. Ce n'est pas une forme de complicité intellectuelle, de compromission. Et je crois qu'en effet, on peut, si on a le temps, si la personne est ouverte au dialogue, espérer, je dis bien espérer, disons, non pas la, lui faire changer ses croyances, parce que ce n'est pas notre rôle, mais du moins, en tout cas, susciter l'esprit critique chez elle, c'est ce que j'ai appelé quelquefois la stimulation du système immunitaire intellectuel ou la déclaration d'indépendance mentale. Mais il ne faut pas se leurrer, il faut des mois, voire des années pour cela. Ce n'est pas un coup de baguette magique, quoi. Non, effectivement, moi j'étais dans plusieurs congrès internationaux, celui de l'ICSA notamment, que j'aime beaucoup, parce que c'est un congrès où les chercheurs, l'International Cultic Studies Association, pour ne pas la nommer, c'est un congrès qui réunit les chercheurs et d'anciens adeptes des sectes. Et donc, on a l'occasion de les rencontrer, de se faire juger un peu par eux aussi, ce qui était très intéressant quand même, quand ton objet t'observe. Et ce qui revenait tout le temps dans la plupart des récits que les anciens, les gens qui étaient dans les sectes, c'était que c'était un petit peu comme l'alcoolisme, c'est-à-dire que ça peut prendre des années. En général, ça dure entre 8 et 15 ans avant d'en sortir. Et même une fois sorti, tu peux rechuter à tout moment. Quand tu es, peut-être tu pourrais nous expliquer ça. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être plus une susceptibilité mentale que d'autres, tu vois, de tomber là-dedans. Je dirais que d'une façon générale, mais à un niveau très général, il faut bien avoir en tête que n'importe qui peut tomber dans la croyance ou même la radicalité mentale. C'est une disponibilité possible pour chacun d'entre nous. Mais c'est vrai qu'il y a des variables qui permettent de prédire, d'un point de vue statistique, plus fortement le fait que certains individus peuvent être plus sujets que d'autres. Mais ça dépend des croyances, c'est ça le problème. Par exemple, pour les théories du complot, en tout cas certaines théories du complot, les enquêtes internationales montrent que le niveau d'étude permet de prédire une partie de la variance du phénomène. En d'autres termes, plus vous avez un niveau d'étude bas, plus il est probable que vous deveniez complotiste. Mais pour d'autres croyances, c'est tout l'inverse, n'est-ce pas ? Donc, bon. Il est évident, oui, c'est ça le problème. Donc, il y a des variables, d'abord sociologiques, le niveau d'études, on vient de le dire, le milieu culturel que vous fréquentez, la frustration sociale est une variable qui est très importante pour prédire une forme de radicalisation, parce qu'on y reviendra peut-être, mais les récits de radicalisation, c'est des récits qui vous proposent des récits de vie, finalement, qui vous proposent de revenir sur votre trajet biographique en vous expliquant pourquoi ce que vous avez peut-être commis de mal, ce n'était pas de votre faute. C'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance, qui est un invariant de l'esprit humain. Bien, ces récits vont profiter de ce biais d'autocomplaisance, qui est d'autant plus fort chez des individus qui souffrent de ce qu'on appelle en sociologie la frustration relative, c'est-à-dire l'impression de ne pas avoir eu droit à ce qu'on méritait, quoi, grosso modo. Alors, ça sont des variables sociologiques, mais les psychologues, et je lis beaucoup la littérature de la psychologie sociale aussi, parce que je crois qu'elle est très utile pour nos objets, la psychologie, elle insiste aussi sur d'autres variables qui sont plutôt psychologiques et qui permettent aussi de décrire une partie du phénomène. Par exemple, l'aptitude à ce qu'on appelle le biais d'agentivité, c'est-à-dire l'aptitude ou le frame effect, l'aptitude de voir des cadres dans de l'informe, et c'est des tests comme ça, on vous montre un nuage de points ou un nuage, et il y a des individus qui détectent des visages, alors que d'autres ont moins cette aptitude. Et bien, ceux qui verront en premier les visages ont plus de chances de tomber dans les théories complotistes que d'autres. Vous voyez, c'est une détection d'intentionnalité, d'agentivité. Parce que vous aurez remarqué, quand je dis vous, je parle à tout ton auditoire, bien sûr, Martin, ouais. Vous aurez remarqué que le complotisme consiste souvent à avoir des intentions là où il n'y en a pas. Et donc, cette disposition psychologique à voir des intentions. Ouais, c'est le biais d'intentionnalité, finalement. Exactement, c'est le biais d'intentionnalité. Ce biais peut être détecté par des tests classiques et très normalisés en psychologie. Et ça permet aussi de prédire une partie de la variance du phénomène. Ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement humble quand on approche ces objets. Ils peuvent être difficilement approchés autrement que de façon pluridisciplinaire. Donc, les assemblées collectives composées de sociologues, de psychologues sociaux, pourquoi pas d'économistes ou autres, voire même de psychiatres dans certains cas, sont très utiles. Moi, souvent, je cite ton livre « La pensée extrême », justement, pour parler de l'adhésion par frustration.
Moi, je pense que dans le cas des complotistes, en fait, ce que moi j'observe, il y a beaucoup de biais d'intentionnalité, puis il y a beaucoup d'adhésion par frustration. Surtout chez les leaders, on a l'impression que les leaders, c'est souvent des gens qui s'imaginent qu'ils mériteraient mieux que la place qu'ils ont dans la société actuellement, qu'on devrait les écouter, eux, quelque part. Il y a une forme, est-ce qu'il y a là-dedans, parce que bon, évidemment, en ce moment, on pense à Donald Trump, qui est vraiment le complotiste en chef un peu, et puis tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, puis tout ça, est-ce qu'il a pas, il a encouragé un peu les copes, parce que moi, cet été, il y avait des manifestations anti-mesures sanitaires. Et les trois quarts des drapeaux qu'il y avait dans les manifestations, ce n'étaient pas des drapeaux du Québec, c'était des drapeaux de Donald Trump. Alors, on peut se demander s'il n'était pas devenu un peu un modèle pour les conspirationnistes. Je vois beaucoup chez ces leaders conspirationnels une espèce de narcissisme où ils n'ont pas la place, ils ne sont pas autant écoutés qu'ils devraient l'être dans la société. Est-ce que ce n'est pas ça un peu l'adhésion par frustration? Si, c'est très vrai ce que tu dis, en particulier pour Donald Trump, et c'est même un récit dont il se sert. Je dirais que d'abord, il est président de ce qui est encore la première puissance mondiale, donc c'est un fait politique très important, évidemment. Il a surfé sur un récit qu'on retrouve très souvent chez les conspirationnistes, mais pas que chez les conspirationnistes, qui est le récit de la trahison du peuple par les élites. La plupart des conspirationnismes sont fondés sur l'idée qu'une élite malveillante conspirerait, par exemple, à l'occasion d'une épidémie ou à d'autres types d'occasions, à l'occasion de développements technologiques comme la 5G, par exemple, ou autres, qu'on en pense du bien ou du mal. En tout cas, l'idée, le motif narratif général, c'est qu'il y a une trahison du peuple par les élites. Or, il est évident que Donald Trump a sans cesse surfé sur cette idée, et le meilleur indice de cela, c'est qu'il a usé tout le temps dans sa communication, de façon caricaturale, je dois dire, de ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire que plutôt que passer par ce qu'on considère comme les élites médiatiques, par exemple, ou par une série d'experts, il prétendait parler directement au peuple par ses tweets. Je suppose que tu as vu, il y a des études qui montrent que le nombre de tweets de Donald Trump a augmenté de façon vertigineuse au fur et à mesure de sa présidence, donc il ne s'est pas du tout calmé. Il y a une croissance géométrique. Il y a un autre très très beau, très très bel article, donc je n'ai pas les références en tête, mais à la limite je te les enverrai, tu pourras les coller dans la vidéo. Très bel article qui a été fait sur une étude, je crois plus ou moins tout au long du XXe siècle, sur les grands leaders politiques américains et sur leur discours. C'est une étude très intéressante, c'est une étude de linguistique computationnelle, et donc qui étudie par exemple le champ lexical, la proximité des termes, etc., donc la nature du discours. Et ce que montre cette étude, c'est que tout au long du XXe siècle, en réalité, la qualité analytique des discours des présidents américains a largement décru, mais pendant ce temps, tous les indices de la confiance dans le discours, c'est-à-dire je suis le meilleur, etc., etc., elle était en pleine croissance. Donc il y a une décorrélation entre le niveau analytique et le niveau de croissance. Donc ça, c'est les linguistes computationnels qui l'apprennent. Et évidemment, Donald Trump est complètement sur cette ligne-là, sauf qu'il la rend presque exponentielle. Donc on peut dire que paradoxalement, Donald Trump, dans l'histoire américaine, ce n'est pas vraiment un accident de ce point de vue des deux critères que je viens de dire, simplement il a rendu cette courbe un peu monstrueuse, en quelque sorte. Et puis pour ce qui est des conspirationnistes, tout à fait raison, il a inventé, ou plutôt des groupes ont inventé une théorie géniale qui date d'avant Trump, mais qui a été beaucoup instrumentalisée par Trump, qui est le Deep State, l'état profond, et notamment par le groupe Canon, que tu dois connaître mieux que moi, et qui commence à s'implanter d'ailleurs un peu en Europe, mais qui était inconnu encore en France il y a un an ou deux, quoi. Et donc qui a surgi après la présidence de Donald Trump. Et le grand récit, c'est qu'en fait, Trump est là pour les sauver, il a presque d'ailleurs un caractère messianique, et en fait qu'on l'empêche d'exercer sa politique, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir malveillant composé de familles où il y a bien aussi bien les Obama, que les Bush, que les Clinton. Le pédo-satanique mondial. Oui. Alors, en plus, il y a des pédophiles, des satans, etc. Mais si on prend le motif, disons, assez superficiel du récit, c'est assez génial parce que ça permet d'exonérer de toute responsabilité Donald Trump quand il échoue. Je te parlais du biais d'autocomplaisance, c'est tout à fait ça. Le biais d'autocomplaisance, c'est se féliciter de toutes ses réussites,
et engueuler grosso modo les autres de tous ces échecs. C'est-à-dire tous nos échecs, c'est à cause des autres, et nos réussites, c'est grâce à nous. C'est totalement Donald Trump, enfin, je veux dire. Oui, il vient de le faire avec le vaccin, parce qu'il se félicitait pour le vaccin, mais il ne disait pas que la pandémie aux États-Unis, c'est à cause de lui, un peu, à cause des mesures. Il attendait même d'avoir très bien traité l'épidémie, alors que de l'aveu de tout le monde, qu'on soit pro-Trump ou Donald Trump, si on a un peu de raison, il est évident que le traitement de cette affaire était calamiteux aux États-Unis. Ah oui, franchement. Ouais. Revenons à l'échéance de rationalité quand même. Il y a un long passage, évidemment, c'est particulier dans ce que tu as écrit jusqu'à maintenant, parce que c'est plutôt un essai, puis c'est plutôt, je dirais, plus personnel. C'est un récit. Un récit, je trouvais ça intéressant quand même, même humoristique parfois, au moment où tu te perds dans la Touraine. Moi, bon, par ma belle famille, je connais bien la Touraine, donc ça me faisait beaucoup rire, m'étant déjà perdu moi-même sur ces routes-là. C'est intéressant, je trouvais, dans ton œuvre, parce que ça te dépeignait, comme moi je te connais un peu plus, comme un personnage humain finalement. Je pense que c'est bien des fois que, non mais dans toute la rigueur intellectuelle qui est quand même un aspect plus humain et un peu humoristique aussi. Et je pense que dans ce livre-là, c'est intéressant pour ça, et c'est pour ça moi que je le faisais lire à mes étudiants, parce que je me disais, bon, ils vont voir en lisant ça, Bronner, il est très sérieux, il est très rigoureux, mais en même temps, il peut faire rire un peu. Enfin, parce que, bon, ça, je pense que, d'ailleurs, avec les jeunes, c'est très fort, tout ça, l'humour va chercher beaucoup, là. Puis il y a le collègue Sébastien, là, en Suisse, là, qui fait de la satire aussi, puis je vais l'interviewer aussi bientôt, tout ça. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant dans ce livre-là, que tu te laisses un petit peu plus aller à l'humour. Hein, quand même. Mais tu parles beaucoup là-dedans, puis ça m'a beaucoup intéressé, donc de ton expérience au centre de Pontourny, qui était situé quelque part, je pense que c'est ça, dans le fin fond de la Touraine, comme on a pu le voir. Beaumont en Véron. Oui, bon, voilà. Oui, il y a toutes sortes de noms comme ça m'a toujours fasciné en France, des noms typiquement français comme La Motte sur Beuvron ou des trucs comme ça. Il n'y a pas d'équivalent chez nous, ça me fait toujours très rire. Puis des noms de villages assez spéciaux comme L'Étoile, ou je ne sais pas, il ne m'en vient pas en tête. Mais bon, nonobstant ces petits villages de France qu'on aime beaucoup, le centre de Pontourny, est-ce que c'était... ça a duré presque un an. On voit dans le film, pas dans le film, pardon, je fais déjà un film avec ton livre. On voit dans le livre que tu as été capable de faire des choses intéressantes, mais on sent quand même quand on lit le livre que tu as une certaine amertume par rapport à ce qui est arrivé à Pontourny. Peut-être nous dire dans un premier temps, qu'est-ce que tu as essayé de faire avec, parce qu'il faut le dire, c'était pas un centre de déradicalisation. Finalement, ou est-ce que c'était ça, ou je suis pas certain. Non, mais écoute, d'abord sur le ton, parce que c'est la forme explique un peu le fond, sur le fait que ça soit un récit, et c'est pas vraiment un essai scientifique à proprement parler, hein, donc je me livre en effet un petit peu. C'est d'abord une demande de l'éditeur qui est l'édition Grasset. Hein. J'ai fait d'habitude je publie aux Presses universitaires de France, mais là j'ai publié chez Grasset, et le deal, si je puis dire, c'était effectivement de faire plutôt un récit. D'autant que l'expérience à Pontourny méritait plutôt un récit qu'une analyse scientifique à proprement parler, puisque c'est un échec, je le raconte dans le livre, c'est-à-dire que le centre, au bout de quelques mois, ferme. Je n'ai pas de données vraiment sérieuses, parce que j'ai qu'une dizaine de personnes devant moi. Même si j'ai demandé, je vais y revenir peut-être, un pré-test psychologique fait par des chercheurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas moi, pour évaluer ce que j'ai pu faire, l'efficacité de ce que j'ai fait, et un post-test. Ben, ce post-test, il n'a jamais pu avoir lieu parce que tous les bénéficiaires du centre avaient disparu. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, effectivement, j'ai profité de cela pour raconter un peu les pérégrinations d'un chercheur. Tu dois bien connaître ça aussi. Je suis sûr qu'à Québec, même si la France se bat un peu tous les records en termes de difficultés bureaucratiques et absurdités. Mais je pense que dans tous les pays, nous autres chercheurs, on rencontre ce genre de problème. J'avais envie de le raconter un petit peu pour le grand public. C'est vrai qu'il y a un peu d'amertume parce qu'on passe un temps infini et avec des décideurs. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est que justement, je ne voulais pas tomber dans un récit manichéen, les méchants politiques ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas ça. Moi, je suis tombé, et c'est ça qui m'a rendu un peu amer, que sur des gens quasiment, en tout cas le plus souvent, intelligents, brillants même,
volontaire, sincère sur le moment, et pourtant il se passait rien. C'est-à-dire que, et avec l'urgence qu'on connaissait en France, parce qu'il faut se rappeler quand même que ce centre de Pont-Tourny, on va le redire, mais historiquement, il est né à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, puis des attentats du 13 novembre qui ont été particulièrement sanglants et meurtriers. Donc, il y avait une forme d'urgence politique à faire quelque chose. Bon, il y en a eu d'autres attentats depuis ce temps-là, hein, même pendant la pandémie. Mais d'ailleurs, le travail continue. Pour te donner un peu un scoop, je continue à faire ce que j'ai fait dans le centre de Pont-Tourny, mais cette fois dans les prisons. Donc, tu vois, je n'ai toujours pas quitté la notion de terrain, en effet. Je vais dans les prisons. J'y suis allé d'ailleurs il y a une dizaine de jours dans le Nord-Est, puisqu'ils viennent d'ouvrir un quartier spécialisé pour les radicalisés. Mon intention, puisque c'était ta question, ce que je voulais faire, d'abord, j'étais un peu, pour être tout à fait honnête, et je l'écris dans le livre, j'étais un peu étonné qu'on fasse appel à moi. Puisque là, on parlait de radicalisation islamiste, c'est-à-dire c'est un élément du spectre de la radicalisation particulier. Comme tu as lu La Pensée extrême, tu sais que pour moi, c'est une radicalisation parmi d'autres. Oui. Elle est particulièrement meurtrière dans certains moments historiques, mais je veux dire, tout ça est une question aussi de circonstances. Mais je ne suis pas spécialiste de l'islam. Ne serait-ce que parce que je ne suis pas arabophone, donc c'est ce que je leur ai dit en premier lieu, pour être un vrai spécialiste de la radicalisation islamiste, il faut quand même être arabophone. Alors, à l'époque, ce qui était intéressant quand même, c'est qu'on avait accès aux revues de Daesh, puisqu'il l'a publié d'Abik en anglais, par exemple, et puis il y avait aussi une version francophone. Donc on voyait quand même, on pouvait analyser un peu la rhétorique théologique de Daesh, qui était très subtile, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui. Et puis bon, voilà. Alors j'étais un peu étonné qu'on fasse appel à moi. Moi, c'est ce que je leur ai dit, mais vous n'avez pas de meilleur spécialiste que moi pour faire quelque chose. Et là, alors, là, ma première surprise, c'est que, eh bien, en France, en tout cas, nous étions à un certain niveau d'impréparation. Voilà, j'en fais le reproche à personne, parce que les choses, il faut se souvenir que pendant 16 ans, il n'y avait eu aucun attentat en France. Donc, on se sentait relativement à l'abri de cette problématique-là. Mais en même temps, je suis fonctionnaire, je suis payé par l'État, et donc je considère que j'ai un devoir envers les questions d'intérêt général. Donc, j'ai accepté d'intervenir gracieusement, en l'occurrence. J'étais le seul à être bénévole dans cette affaire. Je me suis demandé quoi faire. Est-ce que je me suis dit ce que je peux faire de mieux par rapport aux petites compétences que j'ai sur des questions de croyance et de radicalité, c'est de ne pas oublier que ça ne sert à rien de contredire un croyant, pour revenir à ta remarque de tout à l'heure. Donc, j'étais, tu vois, optimiste, mais pas au point de croire qu'on peut comme ça contredire un croyant avec des arguments, des statistiques. Je savais que ça ne servait à rien, mais ce que je me suis dit, c'est que ce que je vais faire avec ces jeunes, c'est essayer, non pas d'attaquer leurs croyances, mais d'attaquer les erreurs de raisonnement qui peut-être les ont fait aboutir à leurs croyances. Je vais prendre un exemple. Tous les jeunes que j'avais en face de moi étaient conspirationnistes. Tous. Il y en avait même un, Martin, qui quand on arrivait, qu'on garait notre voiture, parce que j'étais obligé de prendre un train puis une voiture pour aller dans ce petit village Beaumont-Veyron, où je me perdais comme tu le rappelles, effectivement une fois sur deux. J'arrivais donc en voiture et il y avait donc un jeune homme, très sympathique par ailleurs, mais enfin quand même un peu inquiétant, parce qu'il notait toutes les plaques d'immatriculation. Et alors lui, le biais d'agentivité, il voyait des trucs partout, etc. Mais c'était quand même un jeune plutôt intelligent. Et donc, ils étaient tous conspirationnistes. Donc, par exemple, quelque chose que je leur ai appris, parce que dans le conspirationnisme, on le sait, un des biais qu'on retrouve souvent, c'est la confusion entre corrélation et causalité. Quand un conspirationniste voit deux événements qui surviennent en même temps, il est persuadé qu'ils sont liés par un lien de causalité. Et c'est comme ça qu'il commence son récit. Alors, plutôt que de leur dire les théories du complot, c'est n'importe quoi, le 11 septembre, ça, je leur parlais pas du tout de ça. Mais je leur parlais des socles cognitifs, des erreurs de raisonnement qui peuvent les conduire à endosser les conclusions des théories du complot. Et on a travaillé comme ça pendant des mois. Et je ne saurais dire si c'était efficace, pour être tout à fait honnête, puisque ce post-test psychologique que j'avais demandé, il n'a pas pu être réalisé, mais dans le livre, de façon un peu impressionniste, je donne mon sentiment sur quelques avancées que je crois avoir constatées. Donc, pour en revenir à l'optimisme, ce que je dis souvent, tant qu'il y a de l'humain et qu'il y a un cerveau humain, il y a quand même de l'espoir. Ce n'est pas que je veux renchérir, mais moi, ça m'est arrivé en 2018, on a organisé un colloque sur l'extrême droite au Cégep Édouard-Monty. Je faisais une,
une communication sur un groupe qui s'appelle La Meute, un groupe d'extrême droite au Québec qui s'appelle La Meute. Ils sont venus, je me rappelle. J'ai vu la vidéo. 30 individus de La Meute se sont pointés à la conférence pour me chahuter. Et les policiers nous avaient appelés en amont quelques jours avant, nous avaient demandé ce que vous voulez qu'on les mette à la porte quand ils vont arriver, tout ça. Et moi, j'avais dit non, parce que c'est ça qu'ils veulent. Parce que ça va rentrer dans leur récit de on nous écoute pas, on se fait toujours mettre à la porte. Tout ça. Okay. On a passé une très mauvaise journée, je me suis fait huer toute la journée, je me suis fait dire dans les périodes de questions, en fait, ils ne posaient pas des questions, ils faisaient plus des longs discours, etc., etc. Ils ont fait un cirque médiatique et puis tout ça, mais on les a gardés jusqu'à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, ils sont sortis dehors pour aller rencontrer les antifascistes qui étaient venus à leur rencontre. Et là, il y a eu quelques arrestations, puis tout ça. Mais tout ça pour te dire que 6 mois après, quelques-uns d'entre eux m'ont contacté. Et ils étaient sortis du groupe. Et ils m'ont dit, vous aviez raison, parce que moi je disais dans ma communication qu'ils avaient la même structure qu'une secte, avec le gourou et puis tout ça, le pouvoir charismatique de Weber, etc., etc. Et il y en a plusieurs depuis ce temps-là que j'ai des bonnes relations avec eux, que je suis dans le temps, leur développement. Je fais ce que j'appelle, j'ai développé une espèce d'approche que j'appelle de l'accompagnement pédagogique. et puis je l'ai fait vraiment sur le tas, ce n'était pas prévu. Parce qu'ils m'ont, et pourquoi ils m'ont contacté? C'est parce qu'ils ont dit, on n'a pas aimé la manière dont vous avez été traité cette journée-là parce que vous avez été correct avec nous. Mmh. Alors, j'ai des obstinations épiques avec d'autres collègues là-dessus qui disent non, on ne devrait pas les traiter, on devrait les confronter, et puis tout ça. Alors que moi, j'ai plutôt une approche d'écoute, d'empathie. Et je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme, mais il y en a qu'à un moment donné qui ont lâché puis qui sont retournés, mais il y en a qui sont encore dans un processus en ce moment. Je publierai les papiers quand ils seront publiés plus tard. Mais moi, je voulais te prendre une citation que je trouvais intéressante du bouquin. Alors, tu disais, le but pour tes ex-djihadistes ou tes personnes qui étaient à Pontourny, le but n'était pas qu'ils renoncent à leur engagement religieux, mais plutôt de faire en sorte que celui-ci ne s'épanouisse pas dans un espace irrationnel où tout est signifiant, miracle et invitation à un engagement inconditionnel. Alors, moi, c'est ça que je trouve intéressant. On ne remet pas en question leurs croyances, comme tu disais, mais on essaie de les amener, on leur dit, c'est correct. Moi, je disais souvent à ces gens-là qui étaient d'extrême droite, c'est correct à la limite que vous soyez d'extrême droite, pourvu que vous ne soyez pas irrationnel. je leur disais d'ailleurs, en France, il y a Marine Le Pen, il y a des partis d'extrême droite. Moi, je les invitais à se constituer un parti d'extrême droite. Au lieu d'aller dans des groupes sectaires où on développe justement des théories du complotisme, tout ça, je les invitais dans le fond à aller dans le jeu politique, tu vois. Mais vraiment, le jeu, à partir du moment où ils ont un débouché politique, évidemment, le recours à la violence s'éloigne probablement. C'est un peu la philosophie. Je vois qu'on rencontre des problématiques dans des groupes différents qui sont semblables de part et d'autre de l'Atlantique, évidemment. Et en effet, un des traits sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que je développe beaucoup dans le livre et qui était constant donc, chez ces jeunes, puisqu'on a parlé du biais d'agentivité, d'intentionnalité, c'est le fait qu'ils ne croyaient pas au hasard. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prononçais le mot hasard, par hasard, ils me disaient toujours à l'unisson, « Non, monsieur, le hasard, ça n'existe pas. » Bon, c'est un point intéressant, parce qu'on sait que, alors là, pour le coup, quels que soient les phénomènes de radicalisation religieuse, quelles que soient les religions, il y a toujours un moment donné où, en effet, les explications par le hasard, elles tentent à décliner. J'avais observé ça avec une de mes étudiantes, par exemple, sur les groupes charismatiques en France. Les charismatiques sont des groupes qui sont à l'intérieur de l'Église catholique, mais qui prétendent parler en langue, faire des miracles, etc. C'est donc des groupes qui sont vraiment à la limite du surnaturel, quoi. Alors que l'Église catholique, dans son histoire au XXe siècle, a essayé de chasser ces gens-là. Mais le problème, c'est qu'elle s'est aperçue que c'était par eux qu'elle recrutait les plus jeunes prêtres. Parce que l'âge moyen des prêtres dans le catholicisme, en tout cas en Europe, c'est pas glorieux. Et donc, finalement, elle les excommunique pas, ou elle les garde un peu avec elle. Mais pourtant, bon, il s'en passe de belles chez les charismatiques. Et en l'occurrence, mon étudiante avait fait un certain nombre d'entretiens. Et ce qui était constant, c'est ça. Un, ils avaient un haut niveau d'études. Ils étaient
souvent très diplômés. Et puis, par ailleurs, ils ne croyaient pas au hasard, mais pour des choses totalement triviales qui feraient rire. Par exemple, l'un d'entre eux disait qu'il cherchait... Il cherchait son boulgour, je crois, et il ne savait pas où il était. Et tout à coup, il adresse une prière à Jésus, parce que bien sûr, Jésus se préoccupe du boulgour de ce monsieur. C'est quelque chose que, voilà, que Dieu, évidemment, a en tête. Et donc, une porte d'un placard de la cuisine s'ouvre et le boulgour était là, quoi. Donc, évidemment, une pure coïncidence, mais ce monsieur ne pouvait pas croire que c'était une coïncidence. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en même temps, si on se met à sa place, c'est normal. Je veux dire, quelle est la probabilité de chance pour qu'au moment où il adresse une prière, il y a une porte qui s'ouvre et qui dévoile l'objet qu'il cherchait justement, il y a de quoi troubler n'importe quel esprit. Mais en réalité, c'est que la croyance nous met en disposition de voir ces coïncidences et leur donner un sens particulier. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, plutôt que de leur dire « mais si le hasard existe », enfin d'opposer leur croyance contre la mienne, contre mes affirmations, j'ai essayé tout simplement... Parce que là, pour le coup, on a beaucoup d'exercices comme ça en sociologie cognitive. J'ai essayé de leur montrer que dans des tas de circonstances, par eux-mêmes, à aucun moment je leur ai dit que penser. C'est eux qui l'ont découvert. C'était un peu de la maïotique, si tu veux. C'est eux qui le découvraient par les questions que je leur posais. Eh bien, ils ont découvert que, assez souvent, des modèles d'explication fondés sur le hasard sont plus satisfaisants intellectuellement que des modèles d'explication fondés sur une entité transcendantale. Alors, ils ne s'exprimaient pas comme ça, mais ils l'ont compris par toutes sortes d'exercices que je décris hein, dans le livre. C'est un des seuls points où je rentre vraiment dans les détails pour faire comprendre le genre de méthode que j'ai utilisée. Mais ça prend des semaines et des semaines. Et puis, à un moment donné, ils ont compris ce truc. Et alors là, ils vont débusquer les biais cognitifs concernant le hasard partout. Ils en venaient même, parce qu'il y avait des éducateurs hein, qui vivaient 24 sur 24 avec eux, ils en venaient même à agacer les éducateurs avec ces choses-là. Et en même temps, ils se sentaient un peu déstabilisés par mes interventions. Hein, c'était très ambigu, ils étaient très gentils avec moi, ils avaient envie que je revienne plus souvent, ils n'arrêtaient pas de me dire ça. Mais en même temps, certains d'entre eux étaient déstabilisés, dont un qui est encore en prison aujourd'hui parce qu'il a commis, il avait commis avant des actes, ou plutôt des associations assez graves, puisqu'il avait essayé de partir en Syrie deux fois. Dont une fois avec un groupe qui a le groupe du nord-est de la France qui a frappé au moment du Bataclan. Donc là, on parle de gens sérieux, quoi, du point de vue du terrorisme. Mais lui, par exemple, perdait le sommeil. Lui, il n'arrivait plus à dormir et quand on lui demandait pourquoi, il répondait que c'était à cause de mes interventions. Mm. Et en même temps, il voulait que je revienne plus souvent. Donc, c'est tout le paradoxe. Malheureusement, cet individu-là, je ne peux pas dire son nom, bien sûr, mais il est donc été incarcéré pour pas mal d'années. Et les nouvelles que j'ai eues le concernant ne sont pas bonnes. Il est retourné vers la radicalisation, encore plus dure que celle qui était la sienne. Mais là, c'est le cluster cognitif de la prison. C'est-à-dire que tu peux difficilement faire quelque chose. Mais c'est ça, mais tu disais que tu interviens en ce moment en prison. Ce n'est pas difficile, justement, à cause de ça. Si, c'est ce qu'on essaye de contrecarrer, ce que j'appelle des oligopoles cognitifs ou des monopoles cognitifs, c'est-à-dire des espaces sociaux où ils vont rencontrer qu'un seul type d'argumentation. Parce que faire des radicalisés ? C'est un problème. Soit on les dispatche, on ne les met pas les uns avec les autres. Et en général, ils vont être prosélytes et il va y avoir une épidémie de radicalité là où ils seront, parce que généralement, ils sont forts, etc. Soit on les met entre eux et si on les laisse entre eux, ils se polarisent. Il y a un effet de polarisation. Donc, c'est quand même très, très difficile. Là, mes interventions, elles ne sont pas directement au contact des radicalisés, mais de ceux qui sont en contact avec les radicalisés, c'est-à-dire les psychologues, les éducateurs, etc. J'essaye de les former à ma méthode, parce que je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne peux pas aller tout le temps partout. Et donc, en fait, j'essaye de répandre, si je puis dire, cette méthode. Mais là encore, mon cher Martin, je suis en butte à des difficultés bureaucratiques terribles qui justifieraient presque que j'écrive Déchéance de rationalité numéro 2, la suite, mais je ne le ferai pas, rassure-toi, j'ai dit ce que j'avais à dire d'essentiel dans ce bouquin. Écoute, j'ai dans la dernière année, j'ai passé un an à négocier avec le gouvernement, puis quand je te disais tout à l'heure que j'avais plus trop envie de faire de politique, c'est un peu ça dans le fond, je sais ce que c'est la bureaucratie moi-même, à bien des égards. Mais ceci étant dit, tu peux te consoler en te disant que tu as des adeptes un peu partout à travers le monde, ici au Québec notamment, parce que moi, je suis convaincu que la sensibilisation au biais cognitif, on n'a pas encore toutes les preuves par rapport à ça, mais que je suis convaincu que c'est une des portes de sortie pour combattre la pensée
je dirais pas irrationnelles, mais les théories du complot, tout ça. D'ailleurs, beaucoup d'ex-complotistes, en ce moment, dans certaines recherches que j'ai vues, expliquent que c'est la sensibilisation aux biais cognitifs qui les a sortis un peu de ça. Moi, ceux que j'ai suivis, les ex-membres d'extrême droite, je les ai beaucoup sensibilisés aux biais cognitifs. En fait, tu le sais pas, mais j'ai fait une tournée du Québec, de tous les cégeps, où j'ai fait des conférences principalement basées sur la démocratie des crédules et puis la pensée extrême. Donc, j'ai répandu la bonne nouvelle, comme on dit. Mais je veux dire, ces conférences-là ont eu beaucoup d'influence sur les jeunes et je le fais dans mes cours aussi. Donc, tu ne t'en rends pas compte, mais la bonne parole se répand. Mais je pense, en tout cas, peut-être j'aimerais que tu m'en parles un peu aussi, justement, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça... Plus on est sensibilisé aux biais cognitifs, moins on a de chances de tomber dans les théories du complot, même si ce n'est pas des baguettes, comme je disais souvent à des gens, parce que souvent, en ce moment, bon, dans les médias, on nous dit « qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Mais je dis « si j'avais une baguette magique et que je pourrais taper sur la tête. » Mais au-delà de ça, sans dire que c'est une recette, la sensibilisation aux biais cognitifs semble avoir des bons effets, non, quand même? En tout cas, d'abord, hein, il faut se rappeler qu'on parle quand même de quelque chose qui a trait au cerveau humain. Et que le cerveau humain, pour faire écho à la baguette magique, quoi, qui n'existe pas, le cerveau humain, c'est quand même, je le dis souvent, l'objet le plus complexe de l'univers connu. Hein, sous notre boîte crânienne, c'est 1 000 000 000 000 000 000 de connexions. Donc, en termes de connectivité, dans un espace qui n'est quand même pas énorme, il n'y a pas d'objet plus complexe dans l'univers que nous connaissons, en tout cas. Et donc, évidemment qu'il n'y a pas de coup de baguette magique pour intervenir sur cet organe hyper complexe. Mais par contre, il y a un certain nombre d'études, de laboratoires qui montrent que, par exemple, quand on stimule ce qu'on appelle la pensée analytique, on fait un test de CRT. Le test de CRT, c'est le test classique qu'on fait où il y a 3 petits problèmes, dont celui de la batte de baseball avec la balle, etc. Donc, c'est 3 problèmes classiques qui vont stimuler l'esprit, en fait, qui vont stimuler quelque part le cortex préfrontal et donc la pensée analytique. Et on s'aperçoit qu'après cette stimulation, on a en situation de laboratoire en tout cas une grande probabilité de chance d'endosser les théories du complot, les théories créationnistes par exemple. Ce sont des États-Unis qui ont mené ces études, donc évidemment le créationnisme les préoccupe beaucoup, quoique c'est une question qui commence à préoccuper la France aussi pour d'autres raisons. Donc on n'est pas sorti de ça. Et donc oui, c'est un grand espoir. Et on montre à peu près dans toutes les études que le fait, y compris, tiens, pour prendre une étude récente à propos de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine a donné lieu à une grande controverse en France. Je ne sais pas si c'était le cas à Québec. Oui, non, mais tous les complotistes ici, le docteur Raoul est devenu la sommité mondiale des complotistes. Donc, le professeur Raoult, qui par ailleurs est un vrai grand professeur de médecine, c'est ça le problème, c'est un vrai paradoxe. Mais bon, bref, effectivement, c'est devenu une des figures de la défense de l'hydroxychloroquine pour guérir la COVID-19, plutôt le SARS-CoV-2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les études ont montré que les gens qui sont le plus prêts à croire que l'hydroxychloroquine peut sauver sont aussi ceux qui sont les plus faibles en termes de résistance au biais cognitif. Donc, il y a bien un rapport vraiment entre les deux. Quels que soient les sujets, on retrouve un peu ces choses-là. Il y a aussi des études de plus en plus intéressantes que je t'invite à aller voir. Ce sont des études de métacognition. Ça s'appelle la métacognition. C'est la conscience que tu as de tes propres processus de connaissance, hein, métacognition. Et on s'aperçoit que les plus radicaux, généralement, ont... une confiance en leur propre estimation, y compris dans des tâches qui ne sont pas du tout politiques ou idéologiques. Par exemple, on leur demande d'évaluer le nombre de taches lumineuses sur un tableau qui apparaissent pendant quelques secondes. Donc, ils ne peuvent pas exactement le faire. Ils donnent à peu près le nombre de tâches et on leur demande quelle est la confiance qu'ils ont dans leur propre jugement, quelle est la probabilité de chance qui, d'après eux, voilà. Et on s'aperçoit que sur certains spectres de réponses, eh bien, les plus radicaux, puisqu'on les a testés avant sur leur radicalité politique, hein, là, ce n'est pas du tout l'islamisme, c'est la radicalité politique d'extrême gauche, d'extrême droite, eh bien, que la radicalité politique permet de prédire une absence de compétences métacognitives. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça permet d'aboutir éventuellement, on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas loin, à des tests de radicalisation qui passeront en deçà des radars des radicalisés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas utiliser des stratégies de dissimulation. Parce qu'évidemment, tu demandes à un radicalisé qui est, par exemple, en prison
s'il croit aux théories du complot, etc., qui sait que ses réponses vont peut-être influencer le juge, qui va lui donner une sortie, parce que voilà, ça va être des indices de radicalisation. Bon, il y a ce qu'on appelle la taqiya, la dissimulation, hein, la stratégie de dissimulation, notamment dans l'islam radical. Mais il est évident qu'il va utiliser ses stratégies de dissimulation. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre de test. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des tests de radicalisation, mais par contre, ça permet de comprendre aussi comment fonctionne la radicalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est corrélé à une absence de compétences métacognitives. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est cette absence de compétences qui conduit à la radicalisation, qui conduit à endosser plus facilement des théories radicales, ou au contraire, si c'est parce qu'on est radical qu'on doute de moins en moins de ses propres points de vue. Quoi, si je puis dire, ça, on revient sur la question de Trump et des politiques américains qui ont de plus en plus de vocabulaire, de confiance dans leur propre point de vue. Ça, c'est Stanislas Dehaene en France, qui est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, auquel j'appartiens aussi, et qui est un des grands spécialistes du cerveau au niveau mondial, et c'est un professeur au Collège de France, qui a attiré mon attention sur ces papiers que je ne connaissais pas. Donc, comme quoi, il y a toujours une utilité à parler de façon interdisciplinaire, on découvre toujours des choses. Mais ce n'est pas un peu similaire à ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger? Oui, alors effectivement, l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui a été mis en exergue par les deux psychologues, Dunning et Kruger en l'occurrence, et qui montre que même si cet effet, je ne rentre pas dans les détails parce que là c'est très technique, il est très discuté en fait en ce moment dans, oui, dans la littérature psychologique, parce qu'on ne sait pas si c'est en fait un effet de ce qu'on appelle la régression vers la moyenne ou un vrai effet en tant que tel. Mais peu importe, ce qui est sûr, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'en général, nous avons dans un premier temps tendance à surestimer nos propres compétences, notamment quand on appréhende un premier champ. Et effectivement, c'est le cas notamment de tous ceux qui s'indignent un peu facilement, hein, les conspirationnistes, c'est le cas. Par exemple, je suis sûr que les conspirationnistes sont devenus épidémiologues, spécialistes de la médecine en quelques jours, n'est-ce pas ? Et donc, comme ils ont l'impression de savoir, ils ne sont pas encore assez compétents pour se rendre compte de leur incompétence. Et donc, c'est ça le problème. Et alors, justement, contre cela, il y a des études qui sont menées aujourd'hui, qui sont pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de publications, mais c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle le sophisme de profondeur et de profondeur explicative. Ça ressemble un peu à l'effet de Dunning-Kruger, en fait. Le sophisme de profondeur explicative, ça nous touche nous tous, hein, encore une fois, on est tous victimes de ce genre de choses. C'est l'impression qu'on maîtrise mieux un processus causal que ce qui est le cas. Par exemple, si on demande aux gens d'expliquer comment fonctionne une chasse de toilettes, la plupart des gens, si on leur demande est-ce que tu sais comment ça fonctionne, la plupart des gens vont répondre oui, je crois que je saurais. Puis on leur donne un stylo, une page blanche, on dit vas-y, dessine-moi le processus causal exact. Et là, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas bien. Et c'est une manœuvre qui a été utilisée justement vis-à-vis des croyants, c'est-à-dire plutôt que de les contredire, ça peut être utile de leur dire parfois, explique-moi un peu mieux en fait, ce complot-là, comment il aurait été produit, etc. Et là, du coup, les récits qui sont souvent implicites, qui ne sont pas vraiment verbalisés, lorsqu'ils sont verbalisés, qui deviennent explicites, ils apparaissent pour un peu surnaturel et un peu loufoque, y compris à ceux qui les portent. Et ça peut créer un effet de recul. Ça a été testé sur certaines croyances. Ça peut provoquer un effet de recul. Donc, et on est très proche, en fait, c'est le pile et le face de l'effet de Dunning-Kruger, en réalité, quoi. Donc, en fait, quelquefois, il suffit de laisser parler les gens. Alors, comme tu le disais, comme tu l'as fait, c'est-à-dire de les prendre un peu au sérieux, pas forcément de les mépriser, et d'essayer de comprendre. Nous, c'est ce qu'on fait, en fait, hein, en sociologie. On essaie de toute façon de les comprendre. Et en approfondissant ce processus compréhensif, peut-être qu'eux-mêmes vont prendre conscience de la fragilité de leur conception, d'autant que, comme je l'ai exploré dans plusieurs de mes papiers, et même dans la démocratie des crédules, beaucoup de théories conspirationnistes et de théories de croyance sont fondées sur ce qu'on appelle des millefeuilles argumentatifs, hein, oui. C'est-à-dire des arguments qui sont par adjonction, comme ça, des dizaines, voire des centaines, hein, d'arguments. J'en ai dénombré plus de 150, par exemple, pour les théories du complot pour Charlie Hebdo. Bien. Ces arguments par adjonction, ils donnent une impression de cohérence. Mais si vous faites parler les conspirationnistes sur ces arguments, ils vont peut-être prendre conscience, ce qu'ils n'avaient pas fait avant, que ces arguments sont contradictoires entre eux en réalité, parce qu'il y a certains arguments qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. C'est particulièrement vrai si vous regardez, par exemple, un documentaire qui a fait un tabac en France qui s'appelle Hold Up,
Eh bien, si vous suivez les différentes trames narratives de ce documentaire conspirationniste, vous apercevez que certaines hypothèses sont incompatibles avec d'autres qui sont développées dans le documentaire. Mais si vous écoutez seulement le documentaire, qui fait quand même 2h40, qui est très long, superficiellement, d'abord, vous êtes troublé parce qu'il y a plein d'arguments auxquels vous ne saurez pas répondre. Vous allez dire tout ça ne peut pas être faux. Et puis, vous ne vous apercevrez pas vraiment des incohérences du propos. Mais si on vous fait parler sur ce documentaire, bah peut-être que vous allez en prendre conscience. Ouais, le millefeuille argumentatif, c'est de toi, hein, faut le dire. C'est quelque chose que je me fais servir une bonne dizaine de fois par jour par des conspirationnistes. Souvent, c'est un effet d'autorité, d'intimidation aussi. Et souvent même, quand tu les interroges un peu là-dessus, c'est juste des listes qui t'envoient finalement. Des fois, des liens vidéo, etc. Ouais, des fois, tu te rends compte qu'ils n'ont même pas lu, parce que bon, j'en ai un, après que j'ai reçu ma subvention pour faire une recherche là-dessus, il m'écrit, il est très fâché, il m'envoie une liste, un millefeuille argumentatif. Bon, et puis, je m'aperçois dans le millefeuille argumentatif qu'il y a un professeur de collège comme moi qui a un compte Twitter très populaire, qui s'appelle Jonathan le prof, je le salue en passant. Et il est mis là-dedans parce qu'il a critiqué un peu les mesures sanitaires par rapport aux problèmes psychologiques que ça peut donner chez les étudiants, tout ça, ce qui est très plausible, tu vois. Et il est dans sa liste conspirationniste. Alors là, je lui ai répondu, je ne suis pas convaincu que mon collègue, que je connais très bien par ailleurs, il serait d'accord d'être dans ta liste, dans ton millefeuille argumentatif, de faire partie dans ton millefeuille argumentatif. Donc, il ne s'est même pas interrogé dans le fond pour savoir si les auteurs qu'il convoquait au hasard, en fait, il avait repris une liste qui avait déjà été mise par quelqu'un d'autre. Et donc, il ne s'était pas interrogé. Et puis là, quand il a vu ça, ben là, il a commencé à s'interroger un petit peu. Mais il dit, je ne savais pas, tu sais, tout ça. Mais c'est l'idée de ce millefeuille argumentatif. J'en ai reçu. Tu ne peux pas savoir comment je reçois ça. Et c'est cette idée, tu l'as expliqué dans ton livre, je pense, La démocratie des crédules. Oui. Le temps que ça prendrait de lire chaque article de les debunker. Il y a des gens qui le font, mais nous, franchement, dans le travail qu'on fait, on n'a pas le temps de faire ça. Mais non, et c'est important de comprendre ça parce qu'effectivement, ça a un double effet. C'est d'une part, ça donne une impression de véracité, c'est-à-dire qu'on dit vraiment il y a de l'argument, etc. Et puis on se dit, même s'il y a quelques éléments qui sont faux, il suffit qu'il y en ait un qui soit vrai pour emporter la conviction. Et puis, ça crée un effet d'intimidation que tu viens bien de décrire. C'est qu'en effet, la plupart d'entre nous, même nous qui sommes chercheurs sur ces questions, on n'a pas le temps d'aller faire le debunking de tous ces trucs. Alors, a fortiori, le citoyen, qui par ailleurs peut s'intéresser vaguement à ça, mais qui a un boulot, autre, nous, encore, on fait la recherche sur ces sujets. Et donc, ça crée vraiment une asymétrie. C'est aussi ce qui a été mentionné sous un nom qui s'appelle la loi de Brandolini. Je ne sais pas si tu sais ça. Brandolini, c'est un informaticien qui n'a pas travaillé spécialement beaucoup là-dessus, mais qui a trouvé une formule très élégante, en fait, tout simplement, qui dit qu'il faut beaucoup plus de temps et d'énergie à défaire du bullshit, là, des âneries, que de les émettre. Hein. Donc, de fait, il y a un embouteillage de crédulité, hein, parce qu'on voit bien dans le spectre temporel. Oui, c'est ça. Je vais citer un passage de Déchéance de rationalité, puis on va parler de quelques petits trucs que tu as fait. Depuis qu'une certaine gauche a divorcé du rationalisme et de l'universalisme, elle ressemble souvent comme deux gouttes d'eau à l'extrême droite. Alors ça, j'ai tiré ça de Déchéance de rationalité, mais je te ramènerai un autre ouvrage que tu as écrit avec Étienne Géhin qui s'appelle « Le danger sociologique ». Tu critiques une certaine sociologie de gauche en France qui, bon, on ne parlera pas de ça, mais qui cette sociologie de gauche te l'a bien rendue dans un livre où il y a un chapitre entier qui t'est consacré et pour lequel, bon, on n'en parlera pas parce que je pense que tu fais un procès en diffamation par rapport à cela. Mais il reste que, c'est pas rigolo, mais bon, il reste que, bon, moi, quand j'ai lu ce livre-là, Le danger sociologique, je me suis dit de deux choses l'une, ou qu'est-ce qui se passe avec Gérald et la gauche en France? Il y a une espèce d'histoire, en fait, puis tu parlais, bon, d'un philosophe dans ton livre aussi, Michel Onfray, que j'apprécie pas particulièrement, là, qui parle du narratif de l'état profond, puis tout ça, donc qui est un peu, qui entretient un peu le complotisme aussi. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est qu'il y a
mon impression en France, parce que vu de chez nous, c'est un petit peu, on a quelques sociologues ici qui sont politisés, on en a à droite comme à gauche, on en a, mais en France, j'ai l'impression vraiment que la sociologie, tu as vraiment une sociologie militante et politique, puis tu as une sociologie plus rationaliste, quoi. Parce que souvent, on a fait la comparaison entre les... Bon, nous, on apprend ça hein, dans les cours de sociologie. L'école française, c'est beaucoup plus... la sociologie française est beaucoup plus militante, engagée, avec Bourdieu, tu sais, Bourdieu qui s'engageait, tout ça, à gauche. Alors qu'ici, on est beaucoup dans l'école... américaine, très empirique, la sociologie, c'est statistique, tout ça. Alors, est-ce que c'est la France comme telle ou est-ce que c'est les problèmes que tu as avec ces sociologues-là, comme je t'ai dit dans ce livre-là, est-ce que ça vient du danger sociologique parce que tu les as un peu, comme on dit chez nous, ramassés? D'abord, je précise, je ne dirais pas les sociologues de gauche, mais d'une certaine gauche. Parce que moi, je me sens de gauche. J'ai été militant au Parti Socialiste pendant de nombreuses années. Maintenant, je ne suis plus affilié à aucun parti, ni même à un syndicat. J'étais aussi militant dans les syndicats étudiants, très à gauche. Donc, je me sens encore de gauche et je pense que ça, ceux qui me lisent avec un peu de subtilité peuvent voir que je reste quand même un peu orienté, même si j'essaye d'être le plus neutre possible, tout simplement parce que rien que l'appel à la régulation du marché cognitif, la notion de régulation de marché, ne me constitue pas vraiment comme un ultralibéral par définition, pour ceux qui ont un peu de culture, qui ont un peu de culture économique et politique. Mais bon, peu importe, je vais pas me justifier ici, mais c'est vrai qu'en France, mais je ne crois pas, là j'aurais peut-être un point de désaccord avec toi, je n'ai pas le sentiment que c'est que en France, j'ai l'impression que le continent nord-américain est très touché aussi. Alors peut-être pas spécifiquement en sociologie, mais dans les recherches des humanités en général, ouais. Que les questions d'intersectionnalité, qui sont des questions intéressantes hein, par ailleurs. Moi, les questions de genre, tout ça, sont des questions qui sont parfaitement légitimes et très intéressantes. Le problème, c'est que lorsqu'elles en viennent, par exemple, à dire des choses qui sont en effet en rupture avec ce que je crois être le code génétique de la gauche, c'est-à-dire l'universalisme. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une gauche non universaliste en France, qui est très minoritaire, mais qui est très bruyante. Donc on la voit beaucoup, on l'entend beaucoup, et elle est surtout très intimidante d'un point de vue moral. Et je pense que, alors là, on n'est plus du tout dans la sociologie, mais simplement même d'un point de vue politique, les authentiques... personnes de gauche universalistes ne doivent pas les laisser faire. Voilà, c'est un combat. Là, on peut pas vraiment se réconcilier parce qu'en effet, ces gens, et parmi eux, il y a des sociologues, et parmi eux, il y a des gens qui font des recherches en sciences humaines et sociales, disent par exemple qu'il est impossible pour une personne, par exemple, blanche, comme toi et moi, de comprendre une personne noire ou une femme noire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'interdiction épistémique à la recherche à comprendre l'autre. Quelqu'un qui appartiendrait à un univers culturel très différent. Et cela, je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment une rupture épistémique très importante, je ne dis pas épistémologique, mais bien épistémique très importante entre les tenants de l'universalisme que sont ceux qui lisent Max Weber. C'est-à-dire, tu ne peux pas être Weberien et ne pas être universaliste, puisque la méthode de Weber, la méthode compréhensive, elle parie sur le fait qu'il y a suffisamment d'humanité en nous tous et de traits communs pour qu'on puisse se comprendre. Rappelons-nous la phrase de Weber, point besoin. Besoin d'être César pour comprendre César. C'est une phrase qu'il empruntait, je crois, à David Hume, mais peu importe. Et il le dit aussi souvent, Max Weber, il s'est intéressé, comme tu le sais, à des religions très lointaines, de la Chine, etc. Et il utilise les méthodes de la sociologie compréhensive, parce que malgré la différence de variables culturelles, bien sûr, les cultures sont très différentes d'un point de la planète à l'autre, il y a suffisamment de socles cognitifs constants. C'est pour ça que je reste optimiste, même quand j'ai des radicalisés face à moi, c'est que je sais qu'il y a suffisamment d'humanité pour qu'on puisse à un moment donné se comprendre. Et cette possibilité de compréhension, elle ouvre aussi la possibilité de faire de la science. C'est un point fondamental. Et cette science-là, en ce moment, elle est attaquée un peu dans le sens où, moi, c'est ce que j'appelle aussi le socle commun de la science, dans le sens où, tu as raison, en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Nord anglo-saxonne et même au Canada, on a eu des cas récemment ici à l'Université d'Ottawa notamment. Exactement, oui, je suis un peu ces affaires. T'as entendu parler évidemment, et le Québec a résisté parce qu'il est un petit peu plus franco-français justement, mais du côté anglophone, c'est très fort ça. Puis ça me rappelle un peu mes sectes, moi, que j'étudie depuis 20 ans. Combien de fois je me suis fait dire par des adeptes, tu ne peux pas comprendre la secte si tu n'es pas dedans.
Alors, quand on me disait ça, à chaque fois, je disais, bon, ben, il me reste plus qu'à remplir, faire ma valise et puis partir et puis abandonner mon métier parce que je ne pourrais jamais rien faire. Puis c'est un drame si tu réfléchis un peu, Martin. Si tu commences à réfléchir comme ça, ça veut dire que toi, moi par exemple, je ne peux faire que des études qui portent sur des groupes de, je ne sais pas moi, d'hommes blancs qui ont à peu près mon âge, qui ont à peu près ma trajectoire, enfin sur moi quoi. En fait, j'ai plus qu'à faire des études sur moi. D'ailleurs, on a l'impression souvent que ces auteurs, de plus en plus, ils ne parlent que d'eux en réalité. C'est-à-dire que l'interpersonnalité poussée jusqu'à son plus grand délire, ben, il n'y a plus qu'une seule personne. À l'intersection de toutes les caractéristiques, de toutes les variables sociales, on est tous uniques, évidemment. C'est la contradiction même de la sociologie qui étudie les groupes, qui étudie le collectif, qui étudie le social par définition. Donc, je pense effectivement que ces propositions, elles sont très minoritaires. Elles n'ont aucune chance, à mon avis, d'essaimer largement dans l'espace public parce que, tout simplement, elles sont contraires même au plus élémentaire bon sens puisque nous sommes capables, on le voit bien dans nos pratiques culturelles, mais je ne sais pas moi, d'aller voir des films iraniens, chinois, de mexicains, de nous en délecter, de les trouver très bons. Bien sûr qu'il y a une impression d'étrangeté, il y a un peu d'exotisme parce que c'est des cultures différentes, c'est des façons de jouer différentes, c'est des rituels que nous ne connaissons pas. Mais qui sort d'un film de ce genre en n'ayant rien compris? Vous avez compris l'essentiel quand vous êtes allé voir un film de ce genre. Vous avez compris qu'il y a du sentiment, de la vengeance, de l'amour, de que sais-je, du ressentiment, enfin toutes sortes de choses et des processus, des raisonnements, etc., qui forment notre socle commun. Quand vous voyez une énigme policière, un film policier coréen, vous comprenez très bien l'intrigue. Enfin, les processus cognitifs sont les mêmes. Ouais. Et donc, cette évidence que l'on a, mais qui est mille fois confirmée par notre fréquentation interculturelle des œuvres qui sont à notre disposition, elle est niée contre toute évidence par ce type de propositions intellectuelles. Alors, je crois que ces propositions intellectuelles, elles ont des choses intéressantes à nous dire, à condition qu'elles restent scientifiques, qu'elles ne deviennent pas idéologiques. Je pense qu'elles peuvent faire de la science, elles peuvent produire de la science. S'intéresser au genre, c'est très intéressant, c'est important. En effet, le sexe est en partie une construction sociale, n'est-ce pas ? Et c'est indéniable. Et donc, c'est intéressant de voir la part de construction sociale dans des identités qu'on croyait au départ seulement déterminées biologiquement. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est intéressant. Ici, c'est rendu très loin hein, en Amérique du Nord, quand même, peut-être même plus loin qu'en France, parce que ici, il y a des études qui montrent que dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement collégial, certains professeurs commencent à s'auto-censurer. Moi-même, des fois, il y a des débats dans lesquels je ne veux pas me mettre le doigt parce que c'est problématique. Et là, quand je dis c'est problématique, c'est les directions des institutions d'enseignement qui ne veulent pas que tu touches à certains sujets. Et on commence à avoir, par exemple, des formations qui sont offertes à l'intérieur des curriculums pour de renouvellement pédagogique pour les profs, qui sont des conférences qui sont pas données, qui sont données par des militants, et qui vont nous dire exactement le discours C'est la puissance de ces groupes, en fait. Ils ne sont pas forcément importants quantitativement, mais ils arrivent toujours à créer une intimidation morale. Et les institutions, comme tu le sais, elles sont plus pusillanimes que les individus. Oui, voilà. En fait, il va y avoir toutes sortes de décisions qui vont être prises par la direction de l'université, des punitions même, quelquefois, des choses invraisemblables hein, qu'on a entendues encore là, pour le coup, aux États-Unis, encore récemment, des profs qui ont été sanctionnés, mais pour absolument rien. Enfin, je veux dire, juste parce qu'il y avait une bronca d'étudiants radicalisés, c'est le cas de le dire, là, pour le coup, qui adhèrent radicalement à des idées radicales, et qu'on va étudier par crainte de tout à coup être classé dans le camp du mal. C'est-à-dire ce qu'ils appellent, eux, la droite, parce qu'en fait, en plus, ils essayent de coloniser la gauche. Et c'est pour ça que je pense que les gens de gauche, universalistes, ne doivent pas se laisser faire. Et en France, en tout cas, ils sont très forts aussi, très puissants, mais il y a une contre-attaque qui est en train de s'organiser au niveau institutionnel par de très nombreux universitaires. Mais qui va gagner, ça, je n'en sais rien. c'est pas évident. Il y a eu des gros débats par rapport à cette prof de l'Université d'Ottawa ici. Moi, je peux te dire qu'il y a une vingtaine de médias qui m'ont demandé de faire des entrevues. Je n'ai pas fait d'entrevue parce que j'avais peur. Je ne voulais pas me mettre le doigt dans l'engrenage. Et ça s'est tout de suite très polarisé en deux camps.
dans les interventions médiatiques. Et je voyais ce que je voyais de pire des deux côtés, là, tu vois, un peu au point où, à un moment donné, on sait même pas ce qui est vraiment arrivé. Il a fallu attendre 2-3 jours plus tard que la prof, finalement, s'exprime et qu'elle relativise un peu. Et puis là, ben, il y avait des millions de trucs qui avaient été dits entre-temps de part et d'autre. Moi, je suis peut-être moins optimiste que toi par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que je constate dans cette situation-là, c'est que justement le socle commun de la science se perd de part et d'autre. C'est-à-dire que justement, ça vient des gender studies, tu sais, des cultural studies qui sont venus. C'est très intéressant pour faire des portraits très complets d'un groupe social et tout ça. Sauf que là, on est en train de pousser ça à un point où les gens s'auto-censurent dans l'enseignement. On va peut-être changer les curriculums d'enseignement. Et je cite encore ton bouquin pour la dernière fois, parce que bon, c'est une phrase qui est... C'est sûr que quand tu es optimiste, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais, d'ailleurs. Mais de toutes les solutions qu'on peut imaginer pour limiter l'impérialisme de la crédulité, celle qui est la plus satisfaisante concerne l'éducation des esprits. Cette question est d'autant plus essentielle que cet impérialisme touche les jeunes qui s'informent sur Internet, et on a tendance à croire plus finalement que les autres classes d'âge les jeunes ont tendance plus que les autres à croire ce qu'ils y lisent sur Internet. Alors, des mesures doivent être prises pour accompagner cette révolution sur le marché de l'information, d'une révolution pédagogique, afin de doter ces jeunes citoyens d'une boussole leur permettant de s'orienter dans cet océan de données. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est ça que j'essaie de faire. Moi, ce que je remarque depuis le début, c'est ça, quand je regarde mes complotistes, tout ça. Et plusieurs d'eux que j'ai interviewés m'ont dit, Alexis Cossette-Trudel, à un moment donné, dit qu'il est un des complotistes les plus... Je pense qu'il a fait une percée en France aussi. Il disait, c'est un gars qui a un doctorat, hein. Il sait écrire. Alors, il dit, au début, j'écrivais des textes, personne ne m'écoutait. Depuis que je fais des petites vidéos conspirationnistes, tout le monde m'écoute. Alors, il a comme donné la recette un peu. C'est que moi, ce que j'en remarque, c'est que tous mes conspirationnistes, mes leaders conspirationnistes, ils n'écrivent pas des textes. Personne ne lit ça. Tout le monde, les jeunes, tout ça, ils regardent des petites vidéos sur YouTube. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement. Alors, c'est un peu cette idée, je pense, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que moi, mon projet, là, dans les prochaines années, c'est qu'il faudrait que chaque prof de collège, d'université, fasse des capsules vidéo, comme ce que je suis en train de faire, pour occuper le marché des idées. Parce que les jeunes, ils regardent des vidéos, ils n'écoutent pas les médias, la télé, la radio, ils écoutent des balados et ils regardent des vidéos sur YouTube. Alors, il faut être là. Oui, Martin, mais à condition de trouver des moyens de les faire revenir aussi vers la culture du livre. Parce qu'il faut occuper le marché, tu as raison, parce que sinon la nature a horreur du vide, c'est les conspirationnistes qui l'occuperont, donc il faut trouver des moyens pour toucher ces jeunes esprits en formation. Mais d'un autre côté, c'est assez désespérant aussi que des universitaires renoncent à l'écrit, par exemple, pour faire des vidéos. Donc, il faut là aussi marcher peut-être sur deux pieds. C'est aussi pour ça que j'ai volontiers accepté ces vidéos. Puis, je me prête à plein de podcasts, etc. Je crois aussi à ce que tu dis. Mais d'un autre côté, là aussi, le rationalisme, c'est un peu l'égalité par le haut. Voilà, il faut le relativisme, c'est l'uniformité par le bas, et le rationalisme, c'est l'égalité par le haut. Il faut pas désespérer, là encore, de ces jeunes gens. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont une aptitude à découvrir le plaisir de l'écrit, de la profondeur analytique, et il faut continuer à leur offrir ça. Ben oui, mais de toute façon, tu as remarqué de quoi on parle dans ce podcast, on parle de livres aussi. Et on a le décor tous les deux pour. On espère qu'ils vont lire là, du coup. On espère qu'ils vont me lire, du coup. Oui, ben ça, je pense que ça s'est déjà fait pas mal. Mais donc là, ce prochain livre, parce qu'il y a un prochain livre qui va sortir au mois de janvier, je crois, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir... De quoi ça va parler? Ça va parler de la COVID? Ça va être un essai? De quoi ça parle? Alors, c'est un livre d'abord qui va inaugurer le centenaire des presses universitaires de France. Donc, je suis très honoré que les PUF aient choisi mon livre pour faire cela. Et le titre du livre dit beaucoup. Il est peut-être un peu effrayant. Ça s'appellera « Apocalypse cognitive ». Et cependant, la notion d'apocalypse doit être comprise
dans son sens étymologique, c'est-à-dire révélation. Et grosso modo, ce que je vais dire dans ce livre, qui est un livre important pour moi, qui m'a pris, ça fait des années que je travaille sur ce livre. J'ai essayé de ne pas en faire un volume trop important, mais il va quand même faire à peu près 400 pages, donc c'est pas un tout petit livre. C'est un essai. Alors c'est un essai, mais qui s'appuie sur la littérature scientifique. Beaucoup de données, tu verras, et beaucoup de rappels à la littérature, là notamment neuroscientifique, mais pas seulement. Et le propos du livre est de dire grosso modo que pourquoi révélation, hein, pourquoi révélation, ben parce que le fonctionnement, la dérégulation du marché de l'information, sur lequel je travaille beaucoup, elle a tendance à organiser une indexation de l'offre sur la demande, quels que soient les produits qui sont sur tous les marchés, c'est ce qu'on peut éventuellement observer. Mais moi, je m'intéresse particulièrement au marché de la croyance, de la connaissance, au marché cognitif. Donc sur ce marché en particulier, mais pas seulement, l'offre, et c'est vrai pour le cas pour le politique par exemple, l'offre politique a de plus en plus tendance à s'indexer sur la demande. C'est ce qu'on pourrait appeler de la démagogie cognitive en quelque sorte. Et ce processus historique, il révèle les grands invariants de la pensée humaine. Il révèle ce que je propose d'appeler une anthropologie non naïve, une anthropologie réaliste. Donc c'est un miroir tendu à l'humanité qui n'est pas forcément agréable. Mais là aussi, il y a quelque chose de politique dans cet essai, ou en tout cas dans sa conclusion, de la façon dont on arrivera à regarder ce miroir et accepter ce qu'on y voit, bah, dépendra entièrement les solutions qu'on va trouver face à la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Donc voilà, apocalypse cognitive, il y a un peu d'espoir dedans, mais il y a aussi un peu d'inquiétude. C'est parce que c'est tellement d'actualité pour moi, parce que j'ai des exemples tout de suite dans ma tête qui viennent, un des complotistes que j'étudie me disait à un moment donné, ben, sur le marché des idées, c'est les meilleurs qui gagnent. C'est pas les idées qui sont vraies qui gagnent, c'est les meilleures. Alors, quand il veut dire que c'est les meilleures idées, c'est les plus populaires, tu vois. Alors, dans son esprit, à lui, il y a plus de gens qui le regardent que moi, c'est parce que ses idées sont plus populaires. Donc, c'est les meilleurs qui gagnent. Il est jusqu'à un certain point pour la dérégulation du marché des idées. Les complotistes ont tout à y gagner, les complotistes, et ils ont beaucoup gagné. Et cette remarque qui est pour une fois très pertinente de ce complotiste, elle montre combien il y avait de la naïveté, y compris chez les fondateurs de la démocratie américaine, puisque l'un d'entre eux affirmait que la vérité se défend toute seule. Elle peut se défendre toute seule. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ce n'est pas vrai. La vérité, le vrai ne se défend pas tout seul. Il faut le défendre, parce que sur un marché dérégulé, librement organisé en concurrence effrénée, ce n'est pas les produits les plus optimaux, c'est-à-dire les plus, argumentés, scientifiques qui l'emportent. Ce sont les produits les plus satisfaisants pour l'esprit qui l'emportent. Donc, en fait, c'est la satisfaction contre l'optimalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et la question, c'est où est-ce que ça va nous mener ? Et il y a des craintes, parce qu'évidemment, on le voit, on l'a vu avec Trump, mais on le voit aussi pour des questions sanitaires, ça n'est pas sans conséquences. Ça a des conséquences dans les urnes, ça a des conséquences par exemple, le rapport que tu mentionnais en France, qui est dramatique par rapport au vaccin, parce que c'est la France, le pays qui est numéro un du monde, on aurait tort de s'en flatter pour la méfiance par rapport au vaccin, c'est quand même dramatique. Et donc, tout cela n'est pas sans incidence. Ces idées, elles diffusent peu à peu, et elles organisent un récit d'un autre monde possible qui fait rêver certains, notamment les conspirationnistes, mais qui a, je crois, des raisons d'inquiéter les démocrates sincères. Oui, d'autant plus que c'est une anecdote très locale, mais qui me rappelle ce que tu dis. Bon, tu es venu ici à Longueuil, qui est en banlieue sud de Montréal. Il y a un très beau parc qui s'appelle le parc Michel Chartrand, où nous avons en liberté, dans une ville des serres de Virginie. Bon, tu le sais, j'en photographie souvent dans mes pèlerinages, parce que moi-même, je me marche dans ce parc. Alors, récemment, il y a trop de cerfs en ce moment, et ils mangent tout ce qu'il y a dans le parc, et ils commencent à s'en aller à l'extérieur du parc, évidemment, pour juste se font frapper par les voitures. En tout cas, il y a trop de cerfs, et on a dû en éliminer. On ne peut pas les éliminer par la chasse, parce que c'est un parc où les gens marchent, on se fait tirer tout le temps. Donc, le ministère de la Faune du Québec, les scientifiques ont dit qu'il va falloir que nous abattions 15 cerfs dans le parc pour réduire le nombre, parce qu'on ne peut plus dealer avec ça. Donc, la ville de Longueuil avait décidé d'abattre ces cerfs-là.
Parce qu'il disait aussi, selon le ministère de la Fonde, s'il est transféré ailleurs, ça les traumatiserait, les stresserait, ils souffriraient encore plus. Bon. Ils avaient pris cette décision-là de faire abattre ces cerfs-là. Il y en avait d'autres sur le territoire où il y avait un petit peu de chasse pour compenser. Et il y a eu des menaces de mort qui ont été faites envers la mairesse de Longueuil pour ne pas que les cerfs soient abattus. La mairie a résisté pendant 2 ou 3 semaines puis ils étaient appuyés par la science, ils étaient appuyés par le ministère de la Faune et puis tout ça, ils nous ont tout expliqué à la population. Et finalement, ce matin, une décision a été rendue, ils ne seront pas abattus, ils vont être transférés ailleurs. La mairesse a cédé finalement aux menaces. C'est un tout petit truc local, c'est pas interplanétaire, mais je trouve que ça en dit long sur ce que tu disais par rapport à ça. Et moi, ce que ça me faisait dire, c'est que c'est qu'encore là, c'était le concours de popularité qui gagnait sur la science. C'est que la mairesse a reculé par peur de ne plus être populaire, finalement. Absolument. Mais on a vu le combat engagé entre l'opinion publique et les énoncés de la science. On en a vu des exemples avec l'hydroxychloroquine. On a parlé, puisque le professeur Raoult, lors d'une interview en France, a dit « Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites voter les gens pour savoir qui de moi ou Véran, qui est ministre de la Santé en France, a raison. » Comme si un énoncé scientifique pouvait donner lieu à un vote qui déterminerait qui a raison ou tort. Le simple fait qu'un grand professeur de médecine, parce que c'est ce qu'il est, puisse énoncer de telles absurdités, en dit long sur notre disposition à basculer progressivement dans ce que j'ai appelé la démocratie des crédules. On peut rester en démocratie, mais voilà. Mais c'est les crédules qui sont de plus en plus au pouvoir. La partie n'est pas terminée, ce qui me fascine dans Raoult, c'est mais pourquoi qu'il n'a pas publié ses études dans une revue évaluée par les pairs au double aveugle, s'il avait si raison que ça, parce qu'il a aimé à communiquer, puis il n'a jamais publié ces choses finalement, à moins que je me trompe. Non, c'est une histoire un peu compliquée. Non, d'abord, je ne veux pas rentrer dans les détails là de son protocole. Effectivement, pas de randomisation, etc. Des gros, gros problèmes protocolaires. On sait comment il a argumenté, notamment en revendiquant la paternité de Paul Feyerabend en matière d'épistémologie. Donc, on est véritablement en plein relativisme. Il faut se rappeler que Paul Feyerabend a écrit un livre qui s'appelle « Contre la méthode ». On est là, c'est probablement la pointe la plus aiguisée du relativisme épistémologique. Donc, effectivement, on sait qu'une partie des travaux... Alors, il a publié quand même dans de grandes revues, il ne faut pas l'oublier, mais en même temps, une partie de ses travaux a été... Il n'a pas publié dans les grandes revues sur la comédie. Non, mais parce que là, en l'occurrence, sur cette question, il a dit que l'urgence prévalait, et il a fait valoir son rôle de médecin, plutôt que de chercheur, l'urgence prévalait, etc. Et en effet, surtout, c'est ça... Parce que là, il y a quand même un consensus relativement mondial maintenant sur cette question. La question est quasiment tranchée. Oui. Ce qui le constitue en crédule, c'est le refus qu'il a d'admettre. Parce qu'il aurait pu se tromper, ce n'était pas grave. Il aurait pu dire, OK, j'ai eu l'impression, mon expérience ça lui en aurait voulu. Tout le monde aurait dit, c'est normal, c'est l'urgence. En plus, il y avait des raisons in vitro de croire à l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Il y avait des travaux chinois. Il y avait toutes sortes de raisons. Mais là, on le voit bien. D'ailleurs, c'est une autre caractéristique du professeur Raoult, comme tu l'as vu, un peu comme Donald Trump qui tweetait. Le professeur Raoult, lui, il s'adressait directement aux gens sur YouTube. Il faisait des vidéos directement, n'est-ce pas ? Donc, je pense que ça... C'est un symptôme, c'est un peu inquiétant à mon avis. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, oui, il faut faire des vidéos, mais il faut toujours s'astreindre, je sais que tu le fais et que nous le faisons, il faut s'astreindre à la publication évaluée par les pairs, ce qu'on appelle les peer reviews. Ça, c'est très important. Moi, tu vois, ça fait partie de mon programme dans les prochaines années. Il faut qu'on fasse comprendre, puis moi, ça fait des années que je l'enseigne à mes étudiants, c'est quoi une revue évaluée au double aveugle par les pairs. C'est ça le socle de la science. Parce que si ça ne compte plus, puis c'est des gens comme Raoult nous font très mal par rapport à ça, il n'y a plus rien là, tu vois, sur lequel s'appuyer. Oui, il y a toutes sortes de revues qu'on appelle les revues prédatrices, malheureusement. Oui, non, je ne parle pas des revues prédatrices, je parle de revues sérieuses. C'est une partie du problème. C'est une partie du problème parce que précisément, des défenseurs, y compris de Raoult, ont publié dans des revues prédatrices. Et donc, ça donne une impression que ce sont des publications scientifiques, notamment les Chinois en produisent
des quantités de ce genre de revues, mais pas que, hein, tout le monde, à vrai dire. Et donc, ça donne l'impression, notamment pour les profanes, qu'on peut être... Moi, je ne suis pas médecin, je suis pas physicien, je suis pas... Donc, on peut facilement me rouler dans la farine. Je veux dire, je ne suis pas forcément apte à aller regarder si cette revue, c'est une revue prédatrice. On peut le regarder, mais on ne fait pas forcément la démarche. Et donc, on est tous potentiellement des victimes de cette crédulité, surtout quand elle vient eh bien, de supports ou de personnages qui ont une forme de légitimité scientifique. Hein, et c'est ça le problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le professeur Raoult nous pose vraiment un sérieux problème. Hein. C'est comme quand un prix Nobel se met à raconter n'importe quoi, comme on en a vu dans cette affaire, comme on a vu dans cette affaire de pandémie. Ben oui, puis ben, le film Hold Up aussi fait beaucoup appel à des anciennes autorités ou ça. Mais oui, de fausses autorités, parce qu'il y a un mélange. Il y a un mélange en fait, c'est ça aussi. Il y a un mélange. C'est une grande salade ce film. Et il y a des vrais. Il y a le professeur Perron, etc. Il y a des gens qui sont des vrais médecins. Puis il y a d'autres qui sont des hurluberlus, mais qu'on fait passer pour des scientifiques. Mais même quand c'est des médecins, moi souvent pour avoir fait des recherches sur ces personnages-là, on se rend vite compte que bon, ils ont été blâmés. Ils ont toutes sortes de problèmes là habituellement. Raoul, c'est relativement nouveau, mais il en avait déjà eu auparavant. Mais il reste que, je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de crédulité effectivement là-dedans. Mais moi, la première question, je ne suis pas un spécialiste justement de l'immunologie. La première question que je pose à Raoul par rapport à l'hydrochloroxine, c'est pourquoi tu n'as pas publié ça dans une revue là? Alors, c'est préoccupant quand même que, dans le fond... S'il fait appel à l'argument d'autorité, il dit « je suis un spécialiste de l'immunologie, je n'ai pas besoin de publier mes recherches, j'ai juste à les mettre sur mon site web, puis à faire des vidéos, puis c'est correct ». C'est sûr que lui, il fait beaucoup appel à l'argument d'autorité. Ça, il suffit d'écouter les interviews qu'il donne, enfin, on est presque au-delà de l'autorité, hein. c'est l'autoritarisme. Quoi. C'est ça. Et donc, pour terminer, ce livre, ça va sortir donc au mois de janvier, ça va être aux presses universitaires de France. Le 6 janvier, tout à fait. Le 6 janvier. Donc, un livre qui va ressembler peut-être plus à la démocratie des crédules et à la pensée. C'est un peu la suite de la démocratie des crédules, même s'il ne sera pas que question de crédulité sur cette affaire, sur ces questions de marché. On va parler aussi beaucoup de peur, de narcissisme, de sexualité. Et toi, je fais un peu un teaser pour attirer les lecteurs. Donc, on va parler des grands invariants, à des mammifères que nous sommes, des grands singes que nous sommes. Voilà. Ben, Gérald Bronner, je te remercie beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. On va encourager tout le monde à lire Déchéance de rationalité dans un premier temps, peut-être pour Noël. Et ça se lit très bien d'ailleurs. Si vous voulez commencer par une lecture de Gérald Bronner qui est relativement facile à lire parce qu'il y en a des plus complexes, ça commence bien. Alors, et ensuite, après le mois de janvier, on pourra lire l'Apocalypse cognitive. Et à ce moment-là, on pourra s'en reparler. Écoute, Gérald, il y a 3 vaccins en ce moment. Je pense qu'on en a pour quelques mois encore. On risque de se revoir tôt ou tard au Canada, de te réinviter, évidemment, probablement, de ton prochain livre. Alors, ça me fera un grand plaisir Bon, écoute, je te souhaite une bonne continuation en France dans ce combat pour la rationalité qui est le nôtre, finalement. Toi aussi, continue bien ce combat. Je sais que tu es vaillant de l'autre côté de l'Atlantique, mon cher collègue. Voilà, donc, on se reverra, on aura l'occasion de te réinviter pour ce bouquin, puis que tu puisses venir voir un peu les expériences qu'on fait aussi. Dans mon cas, je commence à travailler justement avec des psychologues, tout ça, parce que je suis très intéressé moi aussi par la psychologie, la sociopsychologie ou la psychologie sociale. Et donc, on pourra discuter de tout ça quand cette pandémie va être terminée. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là avec nous et pour ce dialogue sur la recherche. Et nous aurons bientôt d'autres épisodes de Dialogue sur la recherche qui vont toujours approfondir les sujets et vous inviter aussi, comme le disait Gérald, à lire les livres par la suite. Merci Gérald, salut. Oui, Martin.